Bon voilà, là je suis arrivé au col. À vue sur ce que je viens de faire là. Voilà, jusqu'en là-bas, en bas. Au fond. Bon, mais comme il habite, quand je me suis arrêté tout à l'heure pour casser la croûte, mais j'avais plus le casse-croûte. J'avais pas le casse-croûte dans le sac à dos. Bravo. Eh ouais, parce que en fait j'avais mes affaires de raquettes et les affaires de ski de rando. Alors j'ai tout enlevé du sac à dos. En fait j'étais équipé pour partir en rando là, ski de rando. J'avais les couteaux, les crampons, les peaux de phoque dans le sac à dos, plus le casse-croûte. J'ai tout enlevé. J'ai mis les crampons pour les chaussures de rando là, au cas où. J'ai pris les raquettes et tout, et j'ai oublié de remettre le casse-croûte. La poche avec le casse-croûte. Heureusement, j'ai l'eau. J'ai que l'eau. Bon, ben, moi, je continue, hein, tant pis. Hein. Ça sera bien fait pour ta gueule. Hein. C'est comme l'histoire de l'huile. Hein. Ça n'avait qu'à prévoir. Hein. Bon, ok, bon, j'arrive au col, là, et puis après, il faut que j'aille là-haut. Est-ce que c'est le canard rouille, ça, canard rouille. Ben, j'espère, je pense. De toute façon, j'irai là-haut, et puis... je redescendrai. Hein. Est-ce que je fasse ça? Ah oui, je peux faire la crête. Hein. Ouais, mais après, redescendre par où? On va voir, on va déjà arriver ici au niveau du col, voir de l'envers du décor. Ah, on peut continuer là-bas encore. Vite. Je suis allé voir un peu par là. Ouais, c'est voilé quand même. Hein. Elle est du bon, on se croirait en haut de la dune du Pilat. Quand je suis arrivé ce matin, j'ai discuté avec des gars, là. Enfin, un couple. Ouais. Ouais, je leur disais, ouais. Il y avait vachement de monde ici. Ah ouais, ils me disaient, bah ouais, c'est gratuit. Les gens, ils viennent de là, hein. Les autres endroits où on peut faire de la raquette, hein, ou des skis de rando, c'est payant. Là, c'est le seul endroit gratuit, et en plus, c'est dans le parc national. Bon, encore heureux qu'ils ne fassent pas payer le parking, quoiqu'il n'est pas grand, le parking. Hein. Comme dans la réserve du Néo-Yel. Ok, mais ouais, il y a du monde de là-bas aussi. Il y a du monde en face là-bas. Il y a du monde de là-bas. Ah, là, on voit la. Comment dire? Une remontée mécanique d'Astoun, là. J'aperçois. Ah, ouais, on doit pouvoir voir les pistes de ski d'Astoun. Là-bas, je sais pas si c'est pas la table des trois rois, au fond. Je sais pas s'il n'y a pas le pic d'Annie là. Enfin, je voudrais pas dire de conneries, et même la grosse connerie, peut-être que ça c'est le pic du midi d'Ausson. Bon là, il y a un petit vent là. Hein. Ouais, on va aller là-haut. Hein. Et après on redescendra. Hein. Alors, je sais pas par où encore, mais voilà quoi. Moi, j'ai enlevé la veste là, parce que j'avais chaud dans la montée. Allez, on va aller là-haut, et puis après... on va pas casser la croûte puisque j'ai rien. Boire un coup et après on avisera. Allez, à plus. Ah ben là, voilà, là j'arrive au sommet. Il y a du monde.
Ok. Je vais sur l'envers du décor. Sacré corniche. Là, il y a l'arrêt. Et là-bas, on a les stations de ski. Là. Est-ce que c'est à Stone? Non, c'est chez nous. Sur la corniche, là, je... Et Evan. Magnifique. Ah, c'est un peu voilé, dommage. Allez, à plus.